Salut tout le monde, il est assez tôt, on est le matin et on est dans la cuisine parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo trickshot. Et là je le dis avec le sourire, mais depuis hier soir, vraiment je suis stressé d'aujourd'hui parce que là il est 8h du matin, je viens de manger, on vient d'arriver à la villa, je n'ai pas pris mon café. Tu sais que la journée peut être très longue, mais très longue. Dans cette vidéo on va faire des trickshots de plus en plus difficiles, donc de niveau 1 à 5, et rien que le premier, il me fait peur. Faut que vous disiez qu'on a une seule règle, on va tout faire aujourd'hui, donc je sais pas à quelle heure on va finir. Tu sais que j'en ai rêvé, j'ai cérébralisé, je suis imaginé, je pense que ça me travaille l'esprit. Déjà, vous savez, nous, on est tous les deux des enfants uniques, donc en fait, quand on était jeunes, enfin moi je m'amusais beaucoup en tout cas quand j'étais tout seul. Des merdes de shots à la con. Genre, je prenais une balle gros, et je la lançais sur mon interrupteur. Jusqu'à allumer la lumière. Ouais, bien sûr. Un truc que je voulais absolument, c'est que tous les trickshots qu'on va faire, ils sont reproductibles chez soi, c'est des trickshots maison. Si vous voulez les faire, n'hésitez pas, faites-les, envoyez-nous vos réussites. Pour ceux qui ne sauraient pas où on se situe actuellement, je vous invite à aller regarder nos dernières vidéos qui sont sorties, puisque du coup, c'est nos nouveaux locaux. De toute façon, il y a la vidéo de présentation sur nos deux chaînes. Et en plus... Ouais, vous allez la découvrir pendant la vidéo, de toute façon. Oui, parce que chaque trickshot, c'est une pièce. Et en plus, on sort plein de vidéos sur la nouvelle chaîne qu'on a créée avec Alex, qui est la chaîne Duo. D'ailleurs, j'en profite pendant qu'on est dans la cuisine et qu'on va commencer le premier trickshot dans quelques secondes pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. Pour faire simple, HelloFresh c'est un service qui nous envoie des box dans lesquelles il y a plein d'ingrédients pour créer des recettes personnalisées. Chaque semaine, on reçoit une nouvelle box avec des nouvelles recettes. Dedans, on a des kits repas complets avec les bonnes doses pour ne pas perdre des aliments. Et du coup, ça fait que c'est assez abordable parce que les kits repas sont à partir de 3,60€ par repas. Chaque semaine, il y a 21 recettes différentes. Il y en a pour tout le monde. Il y a des recettes pour les végétariens, pour les sportifs, des recettes du monde, des recettes qui sont rapides. C'est super pratique parce qu'on retrouve vraiment ce qu'on veut. L'objectif d'HelloFresh, c'est que tout le monde puisse cuisiner en se faisant plaisir rapidement et sans problème. Par exemple, là, c'est un repas et j'ai reçu tous les ingrédients pour le repas. C'est bien parce que vous pouvez choisir quand vous êtes livré. Donc, du coup, vous êtes sûr que vous serez là au moment où il y aura le livreur. D'ailleurs, ça rompt pas la chaîne du froid, hein. Tout est livré de manière réfrigérée. HelloFresh vous offre jusqu'à 85€ de réduction sur vos 4 premières commandes. Il y a aussi 3 cadeaux surprises et même la livraison, elle est offerte avec le code. Le code, il s'affiche depuis tout à l'heure, c'est Leonard85. L'offre, elle est valable pour les nouveaux clients et aussi pour ceux qui ont annulé leur abonnement depuis plus d'un an. Donc si vous voulez retester, c'est le moment. Je vous mets le lien en description pour profiter de toute cette offre. Merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé la vidéo et nous, commencer avec ce premier trickshot. Les amis, vous avez déjà vu ou eu une machine à café. Les machines à café sont dotées de dosettes. Mais nous, on s'est dit qu'on voulait faire un trickshot avec les dosettes les plus compliquées, c'est-à-dire celles-ci. Elles ont une forme de merde. C'est pas un rond. L'idée, c'est qu'on lance cette dosette et qu'on la rentre du premier coup dans la machine à café. On n'a pas le droit de dépasser le lave-vaisselle. Ça, c'est notre ligne imaginaire. Le lave-vaisselle, il est ici. Mais ça paraît pas, mais ça fait plus de 2 mètres. Hein, ouais, gars. C'est super méga loin. J'ai la dosette. Top. C'est qu'il n'y a quasi aucune place. C'est qu'on n'a pas l'air fin si c'est pas possible, genre. Dites-vous, là, c'est le niveau 1. C'est-à-dire qu'après, on augmente en niveau. Autre truc à préciser, pour chaque trickshot, celui de nous deux qui va réussir, ouais, il aura un cadeau. Ouais, c'est ça, il y a un cadeau là-bas. Est-ce que les cadeaux sont de mieux en mieux? Parce que les jeux sont de plus en plus durs. Les cadeaux sont de mieux en mieux. Je suis pas au courant des cadeaux. C'est des trucs cool. Non, mais c'est pas des trucs de grosse valeur, tu vois. Je voulais pas genre. Après la maison, il y a plus de moyens. On fait des trickshots maintenant, on a plus de thunes. C'est fini les hôtels. C'est fini. Mec, j'ai trop envie de commencer, gars. J'ai trop envie de commencer. Là. Allez, vas-y. Ah, allez, t'es l'invité dans cette vidéo, c'est toi qui commence. Putain, je transpire déjà, bâtard. Mais oui, je transpire, mais. Bon, bah, premier lancier de la vidéo. Ouais, écoute, on va y aller. Mec, j'ai tenté un truc, il a tapé. Ouais, c'est pas con. C'est pas si con, bah, toi, vas-y. Mec, t'imagines, ça, on aurait réussi du premier coup. Cette journée va être très longue. Peut-être qu'il faut utiliser un move de pétanque, tu vois. Comme au bowling, gars. Hein? Tu joues comme ça au bowling? Mais oui, mais faut tourner le poignet si tu veux faire du strike. Tu marques au bowling? Alors, ça c'est la théorie, hein. Je t'ai pas dit que je faisais ça au bowling. Ok. Bon. Vas-y, on fait deux par deux. Je vais essayer de mettre un mouvement du poignet comme ça et la faire. Non. Non. On touche pas la machine. Putain. Tu sais que ça c'est le truc qui me rendrait plus fou. Tu sais que ça va nous arriver, hein. Ça va nous arriver, c'est évident. Ça va nous arriver plusieurs fois. Oh, t'es plus proche. Oh, attends, j'ai jamais été aussi proche. Ah. Oh, avec le
qui est passé d'un coup super à un coup désastreux de ouf. Mec, c'est pas mal là. Mec, j'ai réussi un truc. Je crois que je vais essayer un nouveau truc, gars. Oh, c'est pas mal. Oh, il était pas mal du tout, gars. Tu l'as fait rotater. Oui, et du coup, elle fait chut, rotate. En commentaire, là, pour les plus courageux, vous me conjuguez le verbe rotater, s'il vous plaît. Oh, pas si simple. C'est pas si simple. C'est pas si simple, pas si simple. Non, c'était nul à chier, ça. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe en mode tryhard. Hein. Là, c'est bien, là, on a diverti un peu les internautes, on fait des blagues, nanana. Excusez-moi d'avoir le. Ah, là, c'est bien, il y a la barre. Il y a la barre. Allez, dernier lancé. Et après, on doit tout ramasser. Oh, j'ai vu dedans. Oh putain, et frère, je regarde toutes les capsules qu'il y a. Ouh. Allez, c'est parti, on recommence. Maintenant, gros, on se concentre. On va le rentrer. Putain de trickshot. Non, on a un coup de moule. J'étais à deux doigts de le lancer derrière moi, mec. Ouh, là bas. Oh, là bas. Elle est là, elle a le ralenti le replay. Très belle. Il est là. Ouh. Oh, fils de. Ouh. En fait, là, c'est le moment où. C'est le moment où. Il y a plus de fun, juste faut qu'on réussisse. On va se concentrer là. Oh, elle était pas loin, mec. Là, on entend, on commence à être plus près. Gros. Ouais, là, on est un peu plus précis. Ma. Ouais, faut qu'on garde cette concentration. Le mec, il dit ça, il fait un voix. Ah, mec, faut qu'on garde cette concentration. Mec, là. Ça s'est joué à 1 cm. Et là, je suis de plus en plus près. Oh! Chut. Oh! Mais j'ai touché le trou trois fois. Et là, on est très proche, Alex. Oh non! 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 Mais j'ai cru, gros. Non! J'ai failli pleurer, gros, lâche de merde. Non, gros, gros, j'ai failli pleurer, gros. La voix, tu nous as fait ça, mec. Après, je te vois pas trop réussir celle-ci parce que t'es pas précis. Ah, mais j'ai la bonne profondeur par contre. Faudrait mélanger nos deux coups. Ouais, à deux, on est un bon. À deux, on est un bon. Super. Ouh. Sa mère, gros. Oh putain, j'aurais même pu les mettre dans mes poches. Martin Matin. A chaque fois, faut dire un nouveau dessin animé. Franklin. Kangoo Junior. Oh la rêve. Mec, je regarde pas de dessin animé ou quoi? Je pense que là, on a plus toute notre tête. Bon, on arrête de dire dessin animé, c'est pas saoulé. Là, on repasse en mode concentration. Oh, elle a jamais été aussi très. Oh. Les gars, mon crâne il est en train de fumer. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Oh là là, mon café. Oh, mec, c'était. Je demande là-bas. Mec. Je demande là-bas. Tu sais qu'il y a moyen, je vais mettre sur mon CV après. Je vais mettre sur mon sexe. Pourquoi? Je sais pas. Tu tires ou tu pointes, Michel? Je tire. Et moi, je pointe. Mec, on va l'avoir. Parfait, on va l'avoir. Mais mec, j'ai envie de crever, gros. J'en peux plus, mec. Ok, mec. J'ai remonté le short. Je
J'en ai plein le cul. Je suis au taquet, je peux plus faire plus que ce que j'ai déjà fait, je l'ai mis 3 fois mais... C'est génial ça, j'ai mis 4 fois. La machine a fait ça. Elle a juste levé son one genre. Je me casse les couilles de baisse. Le sondage qui capote. Allez bah vas-y. J'annonce, jamais. T'es ma mère. Oh lui j'aime le déguster. Oh lui j'aime le déguster. Oh putain. T'as réussi à le mettre. J'en peux plus. Tu le fais? Ah je le fais là, ouais. Allez vas-y, déguste-toi. Sans mauvais jeu de mots, j'aurais tourné autour du pot. J'ai les jambes crampotées. On est éreintés. Il nous en reste 4, c'est... Bravo, merde. Ah, c'est vrai que j'ai un cadeau, bah attends. T'as un cadeau. Est-ce qu'il est bon mon café? Ça fait 7 heures. 7 heures pour un café, je peux vous dire que même un barista, il n'a jamais vu ça. Il est tout à fait basique. Mais là, il est pas un peu secoué. Bon, il est très moulu. Il est très moulu. Il est très moulu ce café. Mec, ça, peu importe ce que c'est, moi j'ai mis Janiké, paquet. Que m'aura valu 7 heures de dur labeur, mon gars? Non, mais attends, c'est un cadeau dans un cadeau. Attention. Ça se trouve, c'est un trophée, gars. C'est pas en mode troll. De quoi? Je suis mort! C'est une putain de tasse! Mais tu sais pourquoi, gros? Ça va être parce qu'on se levait à 7h, enfin on devait être ici à 7h45 pendant des mois avec les travaux. Ah ok! Bon, bah, voilà. Tout ça pour une tasse. Tout ça pour une tasse, mais là c'est que le début, hein. On enchaîne, là on est chaud, c'est bon. C'est en bas, on va aller à. Au sous-sol? Ouais. Allez, ouf. On en a encore des nouveaux qui nous attendent. Là, on passe au niveau 2, Alex. D'ailleurs, faut qu'on enlève nos chaussures. Ouais. J'ai l'impression qu'on rentre dans un dojo. J'ai l'impression qu'on arrive sur une nouvelle place. On a débloqué une nouvelle map du jeu. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a 3 fois plus de munitions que Trickshot précédent. Quelles sont les règles du Trickshot? Les règles, elles sont super simples. On a une balle. On doit la lancer comme ça, avec un rebond contre la table de ping-pong. Et ça doit rentrer dans le tube. Et du coup, faut que ça rentre quasi parfaitement dans le ça, dans le sopalin. En vrai, il n'y a pas énormément beaucoup plus de place qu'avec la NSPSO. Il y en a un ouais, peu plus. Mais pas des masses, hein. Allez, je suis le premier à essayer, les gars. Ok, t'en as fait 2, donc c'est bon, c'est ça. Ouais. T'imagines l'insolence pure, là, je l'envoie. Et premier coup, je le mets dedans. On va lui faire sa fête, hein, je te le dis. Tu sens que maintenant, on a des positions. Oui, on fait maintenant, on est compétiteurs. Par contre, vous savez pas à quel point c'est satisfaisant de dingue de mettre sa main dans un panier de balles, vraiment. Allez, vas-y, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Pourquoi tu m'encourages? C'est la guerre maintenant, mon gars. Oh, j'étais prêt. On va y passer nos plus mignons, c'est ici. Oh, salaud. Oh, j'étais quasiment là. Bulle bizarre, go! A chaque fois les mecs envoient une rêve d'un dessin animé, mais cette fois-ci une phrase qu'on a repoussé à la difficulté, genre... La magie des Wings! Totally Spice! Je crois que je l'avais dit. Ah ouais? Non, je crois pas que t'avais... J'avais pensé. Alors t'as mis Jerry. Tonton et Grominet. Non, Tonton et Grominet. Comment il s'appelle? Tonton et Grominet? C'est Titi et Grominet, j'ai dit Tonton! T'as dit Tonton et Grominet! On dirait le nom d'un film porno! Tonton et Grominet. Oh, putain, tu l'as eu. Tonton et Grominet. Oh, oh putain. Blanche-Neige et 7 mains. Et 7... Blanche-Fesse et 7 mains. Blanche-Fesse et 7 mains. T'es un baiser. En fait, nous notre truc, c'est pas de faire des trick shots, c'est de bousiller des enfants. Ça. Ouh, elle revenait. Regardez toutes les balles qu'il y a derrière là.
Oh, j'ai cru de dingue. J'ai cru aussi. Ok, là je commence à avoir. Non, mais tu vois, en vrai, si t'es nonchalant comme ça, tu vois, tu parles aux gens en même temps et tu fais ça. Oh, je t'en ai mis une. S'il était passé, mec. Je t'en ai mis une, Ben. Ouh, c'est la plus proche depuis le début. T'as tapé le côté. Oh là 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 là. Eh, on est reparti pour tout. Hop, hop. Ouh, mon salaud. Ouh. Oh, j'aimerais bien l'avoir. T'as eu le premier, franchement. Ouh. C'est une mécanique différente. Oh. Elle est parfaite. Oui. Franchement. Putain, elle était chaud, gros. Wow. T'en as réussi deux. Elle était parfaite. Wow. C'est chaud. En fait, je suis juste là pour gagner des cadeaux. Bon bah super, et attends, alors, je vais mettre en tailleur, je vais voir le petit cadeau tranquille. Ça veut dire, attends, je crois qu'on a mis moins de 200 essais. Par rapport aux 1250 par personne pour la capsule, oui, en effet, ce... Me parle plus de café, d'accord. On parle plus de café, ici, on ouvre juste des cadeaux. En plus, on est assis comme des petits enfants en tailleur. Là. Et je suis content que ça avance enfin, là, qu'on enchaîne un peu les trucs. Ouais, moi aussi. Je pense que ça t'aurait pu servir. Alors, je sais pas ce que je dois plus mal le prendre entre le fait que c'est un livre pour créer et animer une chaîne YouTube ou que ce soit pour les nuls. Oh, bah, qu'est-ce que je suis content, c'est super ça. Après, en soi, on est une nouvelle chaîne YouTube. Ah. On est un peu des débutants sur YouTube avec la nouvelle chaîne YouTube. Ah bah oui, donc ça va me servir. D'ailleurs, allez vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube, la chaîne Joe, qui est dans la description. Là, je sais pas, au moment où on vous parle, on est genre 23 000, mais il y en a plein, ils sont pas au courant qu'on a créé cette chaîne. D'ailleurs, tu vois, là, je suis à la page 133 et justement, le livre nous recommande de ne pas hésiter à inciter à l'abonnement. C'est faux? Mais c'est pour les... Ah. Malin. Comment tu crois que j'ai une chaîne à 24 000 abonnés? Eh bon, eh bah super, j'ai préféré celui d'avant par contre, je peux te mentir. Wouh. Bon, bah c'est parti pour le troisième trick shot. À chaque fois, on va dans une nouvelle map. Niveau 3. C'est pour me buter. Oh, cette map est intéressante. Tu dis ça comme si on la connaît pas, alors c'est notre salon. Il y a des cintres, il y a une penderie, on va expliquer après, mais... Donc là, Alex, sur ce nouveau trickshot, on va devoir lancer un cintre à 5 mètres de distance sur la penderie qui est là-bas. Tu parles évidemment de tous ces cintres-là. Ouais, je parle de tous ces cintres-là. On en a plein, ça va. Oh, ça va être super dur. Ça va être giga dur. Il va falloir lancer assez fort. Point positif, c'est que je pense que si on arrive à l'éclipser, ça ne déclipse pas, quoi. Ouais. Bon, vas-y, on va commencer, hein. Est-ce que je peux commencer? Honneur au perdant. Je pense que, gars, le truc, par contre, il faut qu'il se clipse parfaitement. C'est quoi la technique que tu vas employer là? T'as une idée de première technique? Bah, je vais employer la technique de la force. Je pense que je vais lancer comme masse et en force. T'es prêt? Mec, on aurait aimé, c'est pas mal. Ah, ça aurait été beau gosse. Ouais, c'est pas si mal, hein. Ouais, franchement, on a un bon, plutôt bon niveau. Alors toi, c'est marrant, tu prends par l'arrière et moi, je prends par l'avant. J'essaie de vous en faire un en POV, mais... En fait, je pense que, regarde, gars, je pense qu'il y a deux techniques. Soit t'as les techniques de par dessous, où t'espères qu'il retombe et il tombe sur la barre. Toi, t'as la technique de, comme tu dis, moi, le lancer de couteau, gars. Non. Les mecs, ils se cassent tous. C'était pas dégueu, hein. Le chiste. On met encore un caissier. Ah non, 35. C'était pas loin. C'était pas loin du tout. Mec, il était misérable ton instant. Ah ouais. C'est-à-dire que le cintre, il a pas tourné. Il a pas volé. Le cintre, il a plané. Oh mec, moi je me rapproche là. Ouh. Mec, ton niveau est catastrophique. En tant qu'ami, je suis obligé de te dire. Oh non. Franchement, c'est gênant. Mais gros, si c'est pas moi qui te le dis, les internautes vont te le faire pour savoir. Mais gros, moi je l'envoie comme un avion, ok? Oui, mais. À chaque fois, je touche la barre. Oh là 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 là. Oh non, c'est brisé, putain. Mais gros, il y en a catastrophe. Ça fait même pas 20 minutes, ça fait combien de temps? 20 minutes, 28 secondes! Mec, j'essaye tous! J'essaye tous, gros! Mec, le gros était.
Eh, je suis content parce que le premier, il a pris 7 putains d'heures. Le deuxième, il a pris 45 minutes et lui 20 minutes. Ils sont censés être de plus en plus difficiles. Ils sont de plus en plus rapides. Mais je suis choqué. Gros, t'as vraiment un niveau impressionnant. Je sais pas si c'est que t'as un niveau impressionnant, t'as de la chance ou que je suis nul. Je pense que c'est un peu mauvais. Parce que c'est dur, hein, ce qu'on avait dit, je l'ai compris un peu. Mais je pense que c'est les capsules, ça m'a créé une brèche dans mon cerveau. Putain, t'es chaud. Mais step. Moi, je suis Jean-Luc Reichmann, donc je fais que te donner le cadeau à chaque fois. J'ai l'impression d'avoir gagné un concours, c'est il y a un discours où t'es faussement modeste du coup. Non, je suis très très content, ouais. Franchement. Toi, t'es venu pour remporter des cadeaux, genre. Ouais. Non mais, hey, c'est pas fini, hein, parce que peut-être que je vais réussir les deux derniers. Ah, c'est un appareil photo jetable. Ah ouais, t'es un radin de fou, toi. Mais je sais pas ce qui a été offert. Non mais attends. Non mais c'est stylé, mec. Non, mais c'est stylé. C'est stylé, gros. Mais bon, ça fait 9h que j'y suis, quoi. Alors, petite anecdote vachement drôle, je t'ai jamais raconté, gars. Genre, j'étais petit et mes parents m'avaient acheté quand j'étais parti au ski en 6ème. Toi aussi, bâtard. On s'amusait à faire claquer juste le flash. Mais en fait, ça décomptait pas de photos. Sauf qu'en fait, ça en prenait des photos. Ils font développer les photos, ils payent. Et pas une photo. Ah ouais. T'as... Bah, en fait, ça prenait des photos, espèce de con. Oh. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai niqué 25 euros, mes darons. Prends-le en photo et après on prend une vraie photo, toi. Vous me sortez votre plus beau sourire. En gros, et tu sais quoi, après cette photo, on prendra des photos plusieurs fois et on les montrera sur la chaîne de jeu. Ah, vas-y. Bah du coup, on aura ma photo ratée. Allez, tout le monde sourit. Cheese. Et bah top. Super. Bon bah go, on enchaîne, hein. Ouais. Mais attends, on est pas rentré. Je crois qu'il est vraiment dur, moi. Donc là, on se met sur la mezzanine. On a plein de petits origami, c'est des espèces de petits avions. C'est marrant parce que ça, c'est des petits avions qu'en fait, vous pouvez refaire simplement chez vous. Là, vous voyez à l'écran, il y a la recette pour faire cet avion-là. La recette. Bah, c'est une recette, hein. La recette. Donc c'est assez simple, vous suivez exactement la vidéo qui s'affiche. On coupe, on vient plier 3 fois la feuille, puis on vient faire un espèce de rond et on va l'agrafer à l'autre bout de papier et là l'avion est directement prêt à voler. J'essaie le premier. Oh merde. Attends, et du coup faut qu'on aille là-bas. Au-delà de c'est pas gagné, c'est l'heure qu'il est, c'est l'avant-dernier trick shot. En plus pour bien nous éteindre, on va faire du sport de ouf. C'est impossible. Ok d'accord, super. C'est misérable. Non mais attends, viens on pose la caméra et on. Ok, j'ai. T'as fait comment? Tu l'as juste déposé? Je l'ai accompagné et je l'ai lâché. Comme si c'était une petite hirondelle. Oh, ils volent bien! Bah, c'est pas. Mais il est fini au sous-sol. Il est parti faire une partie de Pink Floyd. Il va plus s'amuser que nous. Oh, oui! Oh, mec! Mec, si tu l'avais. Mec, je l'avais presque! Attends, viens, on donne un oiseau à chacun de nos oiseaux. On donne un oiseau à chacun de nos oiseaux. Non, on donne. Putain. Oh, Aliette! Oh, Aliette! Aliette! Sarah, oh Sarah, merde. Oh Sarah. Ça rase le sol. Il y a aucune maîtrise, genre tu peux un poil influer, mais ensuite c'est. Tu serres les fesses. Oh, mais t'as des belles fesses donc. Franchement. Ah, dommage parce qu'il partait droit. Oh, les langues. Non, toi il te fait la gueule. Oh mec, celui-là je pense que je le mets. J'ai un truc qui m'a traversé le dos. Ah bah non, c'était mes gouttes de transpiration. Mec, c'était si près. Mec, jamais. C'était aussi près. J'ai touché, putain. Mais non, sans mec. Mec. J'en ai trop marre. Mais Nita. Je vais chialer, moi. Passer la barre des 200, c'est super. Ouais, c'est prêt. Le vol à destination de Palma de Mallorca est demandé pour l'embarquement. Nous faisons une escale du côté de Marrakech. J'en ai plein mon salaud de cul. Excité. Mec, putain, attendez, stop tout, replay. Peste ta mère, hein. Alex, lui, c'est furtif, le jeu où tu l'envoies.
pas loin, mais je me bats les couilles, je vais faire avec lui, mon Messi. Mec, c'est le meilleur de tous. Hey, je vais enquiller avec, je m'en bats les couilles. Mais avant, je vais avoir, je m'en bats les couilles, je vais chercher jusqu'à la fin, mon gars. Mais mec, tu vas la mordre, tu vas la mordre. Il tire. Mais non. D'ailleurs, je vais enlever mes lunettes dans le ciel. C'est pareil. Il va peut-être les remettre. Imagine que le monde est entre tes mains. Genre, si tu rates celui-ci, le monde explose. Je suis Thanos, du coup, vraiment. C'est juste tétanos. Je suis tétanos. C'est tétanos, ma gueule. On est obligé de mettre une pause et de recommencer demain. On a commencé il y a quasiment 17 heures. On voulait absolument tout faire en une journée, les 5 niveaux. Malheureusement, ils sont tellement compliqués qu'on n'y arrive pas. Bon, pour vous, ça change rien. On se retrouve tout de suite demain matin. J'en ai rêvé toute la nuit. Bah déjà, on a mal dormi, parce qu'on a peu dormi. Ça me hante. Je me suis réveillé ce matin, je me suis dit aujourd'hui, on va affronter l'avion en papier. Merde. Ok, super, ça va mettre une plombe. Oui, il fait. Ok. Ah, t'es en mode avion, putain. Et mec, c'est tout aussi nul que ce d'hier, putain. Genre lui, nul à chier. Oh shit. Here we go again. Ah shit. Mais lui, mon gars, t'inquiète pas. C'est le furtif. Ouais, c'est le furtif. Je pense que ce sont des. Ah, c'est vrai que c'est le furtif, mon gars. Oh, dommage. Oh, putain. Mec, c'est trop le trickshot le plus chiant. Genre, il est en train de me péter les couilles, les forcés. Mec. Mec, je te demande de ralentir. Furtif. Attends, il m'en reste 3 gars. Je pense que c'est son destin. Tu l'as mis! Tellement heureux! Oh là là là! Trop... là alors, là, si... là, là, là. Je suis tellement heureux, gars! Bien, bien. On le met là, hein! Oh bah! Mon moment! Et même, je vais même te dire, pour qu'il ressorte, on va le mettre. Ici! Le petit furtif! Eh, t'as vu, on a mis tous les trucs de la vidéo là! Ouais! Là! C'est toutes mes victoires! C'est mon armoire à trophées! Ah, mais attends, on a un cadeau! Enfin, t'as un cadeau! Le cadeau qui est là! Hop là! Mais je sens que tu l'as rentré le dernier! Mais j'ai le seum, j'étais pas si loin, gros! Mais même sur le deuxième, j'étais pas si loin, tu vois! Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ah mec, c'est... qui m'a acheté une Tesla? Oh. C'est les clés de la Tesla? Bah je pense pas vu le budget. Non mais en fait depuis le temps où tu parles de Tesla, en vrai... Ta gueule! C'est pas mal. En attendant d'avoir la vraie Tesla. Ok. Un trophée de plus. Bah merci gars. Ça va, je compte bien gagner le dernier. Là t'as plus trop le choix. Là je suis motivé frère. Ok. C'est le dernier niveau Alex. Cette fois-ci, c'est la piscine. Oh, misère de boule de gomme. Donc là, Alex, on va devoir prendre un de ces frisbees. Et je suppose, si je suis pas trop bête, il y a un cône là-bas. C'est ça, il est là-bas, le cône. On va devoir jeter le frisbee et le faire atterrir dans le cône. En vrai, petite difficulté,
la longueur. Autre difficulté, le vent. Là, on a de la chance, il n'y en a pas trop. Et alors là, cette fois-ci, le cadeau, oula, il est là. Il est XXL. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que c'est le cadeau le plus cher. Je pense qu'il a pris 90% du budget. Ouais, et là, j'espère bien gagner le cinquième, mec. Mais tu sais que depuis le début, je le sens comme ça. Hein. Ouh. Allez, vas-y, lance le premier. Je pense que ça va être catastrophique, le premier. Je pense. Oh, c'est pas simple parce que c'est des frisbees de pas très bonne qualité, j'ai l'impression. Mec, il y a moyen que ce soit plus dur que ce qu'on pense. Ah, si, gars, là, en caméra, on se rend bien compte de la difficulté, hein, c'est loin. On va se concentrer, on va apprendre les techniques. Bon courage. Bonne chance pour ce dernier trick shot. Bon courage. Ah, oh, j'ai un truc, oh. Alex. Ok, j'ai un truc. Ah, oh, mec, je suis pas bon. Comment tu fais? Ah, on touche même pas le cône, frère. Oh, oh. Ok. Putain, faut aller chercher dans l'eau, j'ai la flemme d'y aller, mais... On va chercher une fois sur deux. Vas-y. Tu sais que ça peut t'avantager, hein. Là c'est en train de te rafraîchir, gars. Tu penses ? Ouais, je pense que ça peut t'avantager. Et on n'y est pas loin, hein. Ouh, ouh, le deuxième plus près. Ouf, 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 ouf. Gars, je suis tellement prêt, gars. Bon, bah les gars, là ça fait 10 minutes qu'on y est. Je crois qu'on commence à avoir capté le mouvement. On va continuer, mais je pense qu'on peut l'avoir. Oui! Oh, oh, c'est le plus près depuis le début! Tombe! Ah, oh, trop long! Oh, mec, je m'en rapproche! Quand même, il y a. Oh! Les capteurs s'enchaînent! On commence à se rapprocher! Je pense que je vais pas tarder à l'avoir, retenez bien ça. C'est moi qui vais gagner. Oh, j'ai glissé. Ce putain de cinquième niveau. Ah, là j'ai pas glissé. Oh, j'ai le mouvement. Mais non mais mec, purée de thym. Purée de thym. C'est la purée de l'herbe aromatisée de thym. Et quand même ça fait quoi, 50 minutes qu'on essaye? Ouais, ça fait 50 minutes. Après attention, hein, ça fait 50 minutes, mais à chaque fois on perd 5 minutes à aller les chercher. Donc on doit être à 150 ou 180 lancés. Que je peux l'avoir. Mais non, j'ai cru qu'il était dessus. Bon les gars, ça y est, ça fait 1h20 qu'on est sur ce trick shot, mais je pense qu'on va bientôt le rentrer. Oh oui. Ah, je le voyais. Oh, c'est un beau lancer, trop long. Oui. Non, putain. Pardon, désolé. Mais gros, tu m'emmerdes! Désolé. C'est trop chiant, ouais. Désolé. Non, mais... Bon, je fais la première fois que tu le touches entièrement, quand même. Trop fort! Wouah! Mec, c'était la prophétie. Il était incroyable, je demande! L'invocation de la barre. C'est la prophétie, mec. Ah, franchement, bien joué. Franchement, mec. Dans cette vidéo, j'ai tout lu, j'ai tout vu. Pas. Putain, j'avais senti que tu mettrais le dernier. Ah la vache, bien joué. Franchement, il était beau. J'ai rien à dire. Ah, GG. Bien joué. On ouvre le cadeau. J'aurais donc bien gagné tous les petits cadeaux. Et toi, il va se faire plaisir avec son propre argent. À tout moment, mec, c'est une daube. Ah, après, ça aurait été scandaleux. Hein. Ça aurait été scandaleux que ça soit un 5-0, mec. Fils de pute. C'est une moto, gros. Qu'est-ce que tu fous avec une moto, mec, mec. C'est pour ça que ça m'a coûté si cher. Moi, je connaissais que le prix des trucs. Un kilé, c'est une moto. Mais qu'est-ce que tu fais avec une moto, mec? Ça tue sa mère. Mais t'as déjà conduit une moto? Mais attends, non, jamais. Mais j'ai pas le permis moto. Qu'est-ce que tu fous avec une moto? Franchement, tu vois, je pense que la vie est très bien faite. Parce que moi, bah, je suis pas très moto. Mais je pense que toi, beaucoup plus. Fais gaffe, mec, hein, parce qu'à tout moment, tu pars dans la piscine. Mais non, mais je veux l'allumer quand même. On est passé d'une Tesla miniature à une moto. Et tu sais, là où je suis encore le plus content, c'est que déjà, je trouve que c'est un cadeau qui te va bien. Mais en plus, on a fini avant la nuit. Il y a un sticker, abonnez-vous. Ah ouais. À la chaîne duo aussi. Ah ouais, à la chaîne duo également. Également, il y a marqué. T'as mis les chaussures, t'es prêt pour l'essayer? Je vais juste l'allumer, faire le tour de la piscine pour... Non, en mode juste... c'est safe. Non mais je vais juste l'allumer juste pour voir. Je vais pas faire de gros accès ou quoi, c'est juste pour l'allumer. Ça fait un boucan ça. Ça fait un boucan. Ça fait un pétard, hein. T'es misérable, gars, là. Mec,
c'est pas simple, gros. Tous les puristes de la moto là, en commentaire, ils sont en train de te démonter. J'avais connu une crosse. Fais gaffe, hein. J'ai pas confiance, mec. Allez vous abonner à la chaîne Duo, on testera bien la moto. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mon lien, il est dans la description. Vous pouvez utiliser le code LEONARD85. Et puis à la prochaine.